Normalement, matin, on était là. Comme nous connaissons déjà que le pasteur Ramel Lafleur a été invité au parquet le mardi 10 janvier 2023. Il était répondu à l'invitation au parquet, à côté que le parquet a dépêché un juge de paix pour venir dans elle et a été verbalisé déclaration pasteur Ramel Lafleur. Et tout de suite après, le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en l'occurrence maître Jacques Lafontaine, il était dit que après le fin de temps des pasteurs là, il pral citer pasteur là, il pral font citation directe pour le voyer pasteur là à le juger par devant le tribunal correctionnel. Par conséquent, soit deux jours après, nous t'ai recevoir citation ça effectivement. Côté que vous mettez dans la citation, ça pasteur est pour venir juger le mardi 17 janvier 2023 par devant le tribunal correctionnel. Mais quand même, nous-mêmes nous sommes considérés comme non pas de comprendre, parce que normalement la loi traçait les procédures en matière des délits correctionnels, en matière de citation directe au correctionnel. La loi qui ça dit? La loi dit que. Pour citation directe ou correctionnelle, la loi baille un délai de 3 jours francs. Le délai de 3 jours francs ne veut pas dire que le parquet peut mettre ou du moins peut mentionner la date ou du moins peut fixer la date pour que mon ali vini devant tribunal. La procédure dit que à partir de date ça que parquet a gagné pour lire en haut les dossiers li pour parquet a gagné pour remettre dossier avec le doyen tribunal première instance côté que doyen tribunal première instance lui-même gagné pour lui désigner un juge pour qui tendait à faire ça et à partir de désignation juge ça ou même ou près capable connait qui le à faire ça attendait par devant le tribunal correctionnel ce que ce matin le doyen du tribunal de première instance a fait et Jodian qui permettent que audience n'est pas faite parce que doyen décidé au vœu de la loi, Jean la loi prévoit là, côté que dossier au niveau du décanat du tribunal de première instance, côté que doyen pour désigner un juge, pour désigner un juge qui peut t'aider à faire là comme ça doit. Ensemble des sanctions sur les fédérations de l'équipe de France, comment nous mettons pas bon, écoutez, pour me dire que matin, il n'y a pas de gain pour t'étendre, pasteur Ramel, il faut nous faire décantation ça. Il y avait une audience, alors, il devait avoir une audience correctionnelle ce matin sur cette affaire. La loi claire sur ça. La loi claire sur ça. Il y a la. Il n'est pas obligatoire pour pasteur Ramel là. OK, la loi claire sur ça. Autre chose, c'est que pour la question du ministère des cultes, la décision prise par le ministère des cultes, c'est une décision administrative qui n'a pas aucun rapport avec décision pénale. D'ailleurs, le ministère des cultes déjà anticipé sur les décisions pénales. Cela vient à dire que nous aurons à faire des recours administratifs. Première démarche, c'est peut-être deux recours de tutelle parce que la décision a été prise par le directeur général du ministère des cultes. Nous aurons à faire deux recours de tutelle, puis recours auprès du tribunal administratif, le seul tribunal administratif haïtien qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Non moins c'est maître Jean-Wilbert Jean, l'un des avocats du conseil de défense du pasteur Ramel Lafleur. Parce que son pays pas gagne sécurité côté élection pour le faire. On pays moun pas ka manger tout on a couru. Les vini garder moun n'a perdu là. Nous pas tout pour mettre tête pour courir. Moun a couru Saint-Domingue, moun a couru Brésil, moun a couru États-Unis, moun a couru. Nous pas peuple là en mode courir le camper, peuple a pété en bouline là.
parce qu'elle pas gain confiance. Si peuple a te croire dans élection, li te croire dans parole k'ap di, peuple haïtien t'ap chita pour faire élection. Côté peuple, bon, on perd jeunesse là, on perd toute tête yo k'ap couri. Nous perdons en pile monde. Qu'on y a qui rassure, nous pas rassurer pour nous faire élection. Quand assurance peuple là. Non qui ça peuple là quoi. Pendant justice pas bon, li grand goût tout à fait pas bon. Ou a bon peuple là, ouais, ou nous prêt pour élection. Côté secteur élection pas faite non pays qui en demandaille. Qu'on y a si mais nous pas comprendre nouvelle que c'est cap pour chauffer camionnette qui prend pour fonctionner de quoi des bouquets. Mais on va le bail 4 pour entrer dans tout ghetto pour faire campagne. Qui côté nous va passer pour faire campagne? Moi même l'aime dans l'élection. L'aime gon grain joue quoi dans l'élection, me camper d'elle. Me camper d'elle et me dans première circonscription forme qu'à entrer dans tout corridor parce que me travaille corridor Bassiari ce matin Bola Croix Delma 2. Me travaille tout côté. Ça veut dire si me gon grain joue quoi dans l'élection, forme prêt moi même pour me travailler pour jouer ça pour aller. Côté me va le passer. En tout cas comme les deal peut-être qu'il y a l'autre bagaille derrière toujours n'attend. Alors comment comprendre l'accord 21 décembre? Moi même accord 21 décembre non, je parle déjà de lui. Son accord moi même, moi même pas entré là-dedans parce que me pas comprendre. Parce que moi même gros problème avec accord Montana, accord 11, accord 21, tout accord ça pas accouchant rien. Hein. Accord a accouché gallon l'huile $520. Yo a couché sac d'huile $1000. Yo a couché 100 gouttes de l'os l'huile. Yo a couché peuple qui a couru dans l'immigration tout côté. C'est ça encore yo. Parce que peuple là nous ouais peuple pas gain assurance dans rien. Nous est petit peuple là c'est courir la pour aller chercher manger tribo babo. Nous est craser droit petit peuple là Saint-Domingue. Nous même nous pas ouais accord yo fait rien. Alors, ou même en tant que femme et cap vivre dans le pays, comment sentir et mesdames yo comprendre, comment yo comprendre politique là? Ou même comment ou même cap travailler avec yo non? Zone premier circonscription. Et comment comprendre et mesdames yo non par rapport avec élection qui vient là? Moi même élection, beaucoup comprendre ni parce que nous pas cap courir comme ça, nous pas cap perdre mon comme ça et puis nous pas dans élection, nous pas gain sécurité. Nous pas gagné rien qui fait dans pays là, nous pas gagné justice, nous pas gagné rien. Pour nous aller dans l'élection, il faut gagner sécurité pour nous entrer dans tout côté pour nous rassembler monde pour nous venir voter. Moi même mesdames pas on pas arriver sur avec élection comme moi pour gagner candidat tout parce que grand goût a trop fort dans ventre. Alors comment comprendre dernière décision CSPJ prend pour mettre ensemble deux juges dehors dans système judiciaire. Non mais si on corrompu. Est-ce que nous carrément en justice comme ça? C'est justice oui que lever tête nation. Ou pas côté nous, ou pas respecter nous pas gain justice là caille nous. Si CSPJ font bon travail, seulement nous t'a souhaité pour c'est pas autre toi de là que j'ai mis mettre pour faire pour yo mettre des juges qui vraiment bon vrai et puis pour justice nous avancer pour nation nous ca lever tête li côté lui vert. Alors nous rappelons le président Jovenel Moïse te dit on fait nommer 50 juges. Bon, puis est-ce qu'on pas réfléchir pour dire ça? C'est dans même liste monde mettez balio. Eh ben oui, ça veut dire tout ça le dit c'est menti. Qu'on y a vérité ça le dit yo. Ça veut dire président Jovenel Moïse t'a bail vérité. Oui, il t'a bail vérité, a pas nous joindre juge corrompu oui. S'il dit yo t'es corrompu, il pas de bail menti. CSPJ saute fait là 4 sur table démontre yo t'es corrompu vrai. Non. Pas rien à sortir de là non. Alors, non, c'est qui? C'est Madame Rachel Fontaine, coordonnatrice générale femme combattante à viser pour le développement d'Haïti. Merci.